La famille, je célèbre 6 ans au naturel. Coucou, j'espère que vous allez bien. Cette année, j'ai décidé finalement d'essayer une marque naturelle pour cheveux afro et cette marque, c'est la marque de ma consoeur Eva's Hair. Pour une fois que je ne prépare pas mes recettes chez moi, donc j'attends beaucoup de cette marque, je commence par l'huile de ricin. En plus, c'est l'huile de ricin haïtien. Donc, vous savez comment j'aime déjà l'huile de ricin. J'avais les cheveux super secs, vous pouvez le remarquer. Donc, j'attends beaucoup de cette huile de ricin. Je laissais déjà en faisant couler. Je pouvais déjà sentir l'odeur de noisette typique pour l'huile de ricin haïtien. Et vous savez que c'est l'une des meilleures qualités. Donc là, j'approuve 100%. En plus, vous devriez savoir, sur chaque huile vendue, une partie du bénéfice va en Haïti pour aider les plus démunis. Donc, j'ai fait comme d'habitude, c'est ma routine habituelle, c'était mon soin complet, j'ai fait bain d'huile. Et là, pendant ce temps, j'ai laissé poser, je vais me faire un petit thé. Vous savez comment j'aime le bambou. Là, je fais un petit thé au bambou afin de laisser passer les 30 minutes. Et ce qui m'a fait le plus plaisir, c'est de voir que dans cette marque de produits pour les cheveux afro et bouclés, il y a la présence de bambou. Donc, j'apprécie énormément. Vous savez comment j'aime les produits naturels qui vont aux cheveux crépus. Donc là, jusqu'à présent, je me sens satisfaite et j'ai hâte de découvrir les autres. Donc là, je vais faire mon shampoing. Et le shampoing est enrichi à l'huile de tournesol, de protéines de pois et huile de moringa. Donc évidemment que ça me parle. Et j'étais vraiment surprise de voir, parce que d'habitude, j'ai très très peur des shampoings. J'étais surprise de voir que ça m'a laissé les cheveux très 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 doux. Donc j'avais aucun problème. Le rinçage se passait super bien. Vous pouvez voir comment les cheveux paraissent vraiment très très hydratés. Donc pour moi, j'approuve complètement. Là, je passe à l'après-shampoing qui est enrichi en huile de ricin, protéines de pois et un actif anti-chute. Laissez-moi vous dire carrément, ce fut le produit phare de ma routine. Ce fut le produit préféré pour moi de cette gamme, tellement on pouvait sentir l'effet immédiat de l'hydratation et ça sentait exactement naturel et bon. Donc c'est pas des odeurs qui entravent l'odorat ni quoi que ce soit. C'était non, j'approuve totalement. Donc je pouvais sentir déjà, mais comme vous savez, j'aime bien laisser poser au moins 30 minutes. Et là, j'ai utilisé le bonnet, alors le casque chauffant de la marque, qui était excellent. J'ai aimé le fait que on pouvait ajuster comme on voulait. On pouvait monter ou baisser la chaleur comme on voulait. Et donc, je suis restée sous le bonnet pendant 30 minutes. Et après, je vous dis même pas, mes cheveux glissaient tout simplement sous ma brosse démêlante. C'était vraiment, vraiment facile. Ce produit, vraiment, j'approuve. Et minimum de casse. Donc, c'était normal, la quantité de cheveux perdus. Le dernier produit que j'ai eu à essayer, alors à tester, c'était la crème hydratante qui est enrichie en huile de ricin et bien sûr en extrait de sève de bambou. C'était vraiment agréable au toucher, donc j'ai appliqué sur mes cheveux qui étaient humides et franchement, bravo. J'apprécie et comme vous le savez, le bambou, ça aide vraiment avec les cheveux crépus particulièrement et ça m'a vraiment plu dans cette crème. Et j'ai même eu à faire mon rituel que je fais chaque année quand je célèbre mon anniversaire de naturel. Donc j'ai pu faire un petit brushing en douceur et mes cheveux étaient exactement tout ce que je voulais. Super doux, je n'ai pas perdu de cheveux et ils étaient très malléables, brillants et franchement, j'approuve. Vous savez comment j'aime vraiment préparer mes recettes à la maison. Et donc, pour moi, d'utiliser une marque, de tester une marque, ça veut dire beaucoup. Et pour moi, de dire oui, ça a fonctionné. Exactement, vous avez une idée comment j'ai aimé. Donc voilà, dites-moi si vous avez déjà essayé cette marque et surtout n'ayez pas peur car c'est fait exactement pour les cheveux crépus, frisés, bouclés. C'est vraiment pour les cheveux de notre type. Et en plus, c'est à 97,5% naturel. Donc, aucune crainte. Vous pouvez voir, je vous mets la page d'Eva's Hair sur Instagram. Comme ça, vous pouvez vous-même à me faire le contact et voir si vous préférez ou bien si vous voulez tester. Pour moi, c'est un oui à 100%. Je vais tester et je vais recommencer à l'utiliser car j'ai beaucoup aimé. J'espère que ça vous a plu. À bientôt la famille.